Nous profitons pour capable remercier Radio Télévision Nationale d'Haïti qui à chaque fois toujours profiter occasion pour capable et ouvrir antenne pour nous-mêmes pour que nous soyons capables de parler comme coordonnateur technique de protection civile dans le département Nord. Nous sommes capables de dire, après ce coup-là, que nous connaissons qui passe dans la région Nord-là, et dans le département Nord, précisément, nous avons plusieurs dégâts que nous-mêmes nous avons enregistrés. Nous avons des communes tant que Plaisance, Pilate, Boy, qui sont des communes côté que nous avons en pile maison qui fissurée. Gen maison qui endommagé et fortement dit nous tout gen en pile maison qui détruite et pour blessé nous gen plusieurs monde qui blessé pour seulement commune Pilate nous gen environ 15 monde qui blessé mais en termes de perte en vie humaine nous capable dire nous pas enregistrer aucun cas en perte en vie humaine donc en gros pour commune nous gen même qui affecté pour moment côté qui n'a parlé là nous capable citer Boy. Nous sommes capables de citer Plaisance, Pilate, nous sommes capables de citer commune Tankou, Katie Morin. Mais à part des communes Silao, nous n'avons pas gagné l'autre commune qui enregistre gros dommages. Mais même les pas maisons qui détruisent encore qui ont dommagé dans certaines communes, mais à cause des paniques qui ont gagné au niveau de la population, gagné dans l'autre commune, surtout Cap-Haïtien, qui ont gagné plusieurs monde qui ont été blessés. Donc nous connaissons. Par rapport à 12 janvier 2010, il y a des gens qui avaient à Port-au-Prince pour le moment qui a vu dans le nord. Donc ça a créé vraiment une situation de panique totale au niveau du département nord. Ça a son bilan partiel. Ça a nous capable de son bilan partiel. Et côté que ouais, nous là, donc c'est coude là donc, qui est activé. Côté que depuis matin, nous là, nous avons travaillé, nous avons communiqué avec différentes communes pour que nous capables de des données. Qui peut permettre que nous-mêmes nous faisons un rapport, nous élaborons un rapport qui peut dire exactement. Qui s'est passé dans telle ou telle commune, côté que avec appui magistrat, nous avons tout vice-délégué, nous avons comité communal de protection civile qui fournit nous des informations qui peuvent permettre que donc rapport ça nous capable finaliser dans une minute qui vient là pour que nous capable partager avec le niveau central. Rapport que nous allons finaliser, ça va dire c'est le premier rapport, encore c'est le premier contact nous avec autorité encore et niveau hiérarchique nous. Donc nous parlons ensemble avec nous fournir déjà des informations, des données. Et dans le rapport que nous avons sorti, dès qu'on premier rapport, un deuxième bilan qui vient sorti pour le département Nord, il y a certaines informations qui sont et le rapport que nous parlons préparer là, par le temps, il y a beaucoup plus d'informations pour que dans le prochain rapport, le prochain bilan que nous parlons sorti. Donc nous-mêmes, pour le département Nord, il y a des informations qui sont beaucoup plus donc détaillées. Nous sommes capables de dire pour le moment avec événement passé là, donc il y a des mondes qui trouvent donc à rejoindre famille pour question de tremblement de terre, nous allons rentrer dans le barbe provisoire pour que nous allons mettre en bas. Donc c'est des points de rassemblement donc nous-mêmes nous identifier déjà surtout au niveau commune Cap-Haïtien. Donc c'est là donc c'est des monde qui trouvent dans des espaces dans des maisons que eux-mêmes ils sentent que eux-mêmes plus confortable côté que eux-mêmes ils ont capacité pour un certain temps avant que eux-mêmes retournent dans la vie normale. Il y a accompagnement côté bon, nous capable dire côté nous là donc c'est rapport donc nous connaît au niveau gouvernement il y a des efforts qui déployent pour que donc ils capable arriver toucher donc différents monde dans la population qui arrivent touchés. Pour le département Nord, c'est sûr que à partir de jeudi, pour demain, il y a des efforts à partir des rapports donc qui peuvent permettre qu'ils aient une idée de qui zone qui peut toucher et besoin de tout qui savent. Nous avons une commune Grand River du Nord, nous avons deux églises catholiques qui sont touchées à Grand River du Nord. Nous avons une église catholique comme il y a un mur qui tombe. Nous avons une église catholique qui est dans le centre-ville la même. Donc, nous avons un mur qui est fissuré. Toujours dans la commune Grand River du Nord, nous avons un boulanger donc, qui est détruit complètement. Nous avons une maison qui est bon, propriétaire de M. Victor, donc, qui est fissuré, tout le mur est fissuré. Nous avons tout et l'autre maison encore qui est arrivée fissurée au niveau de Grand River du Nord. Mais pour blesser dans la commune Grand River du Nord, c'est zéro. Donc, c'est tant de dégâts que nous-mêmes nous enregistrons dans le département Nord et surtout, pas oublier que nous disons Pilate, c'est une commune qui peut toucher surtout dans la troisième section qui sera Ravine Trompette. Et Quartier Morin, donc nous gagnons au niveau de Quartier Morin, nous disons deux maisons qui sont touchées. Nous gagnons une maison qui est détruite et puis nous gagnons l'autre maison donc, qui est clôturée.